à un 28e groupe scolaire, donc un petit peu de patience, qui sortira de terre en 2026. J'imagine que ce sera... 1er janvier 2026, voilà. Et ce sera dernier cri, j'imagine, sur le plan énergétique, sur le plan climatique. Voilà, on a choisi vraiment un bâtiment qui corresponde à toutes les nouvelles normes environnementales. Et donc, comme on prend des normes environnementales, c'est un bâtiment qui coûte un peu plus cher que les autres bâtiments, puisqu'on est à peu près une classe à 1 million d'euros, alors qu'il fut un temps, on était à une classe à 650 000, 700 000 euros. C'est ça. Là, ce sera 12 classes, en gros, pour aller entre 12 et 13 millions d'euros. Alors, on a une particularité à Cergy. C'est, finalement, Cergy, c'est de multiples villages. Et on met l'école au cœur du village. Comme l'église. Comme... bon. On est et il sera à énergie positive, ce exactement. Exactement. Et avec la c'était pour reprendre l'expression consacrée. Avec Couroasis, oui, c'est exactement. L'église au centre du village, ce que je voulais dire. Ben nous, c'est l'école au centre du village, on préfère finalement, puisqu'on est une ville où on a plus de 140 nationalités différentes. Donc l'école est le ciment de la ville.